Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, c'est Edition Chita, attendez nouvelle ça qui entre la caillou. Moi c'est Matin Info, quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un grand plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux Éditions Nouvelles Paola. Nous toujours en mode spécial, nous avons fait grand feu sous eh bien, et situation Grand Sud avec tout, eh bien, un rapport. D'abord, côté c'est bilan partiel, toujours. Côté gagné, protection civile qui fait état de, disons, 2200 personnes qui mourent, plus passé 300 personnes disparaissent, avec plus passé 10 000 personnes blessées dans trois départements Grand Sud à cause passage, département, disons, passage, eh bien, tremblement de terre, ça, 7,2 samedi passé, 14 d'août là, non. Et trois départements Grand Sud d'après protection civile. N'a fait yon coup de tout sous rapport eh bien RNDDH dans pays d'Haïti. Nous connaissons ces dossiers qui tous les dossiers. Donc avant tremblement de terre nous connaissons c'était assassinat président Jovenel Moïse qui était fait la une de l'actualité. Donc tout de suite après tremblement de terre, c'est tremblement de terre qui passait devant. Eh bien, dossier président assassinat président Jovenel Moïse là, il retournait dans l'actualité à. Donc, d'après un rapport RNDDH, un rapport accablant RNDDH mette de yo, eh bien, gagné au moins deux gros responsables sécurité et présidentielle là, eh bien, qui est livré, qui livré président, qui était organisé pour livrer président à la boucherie, d'après rapport SILA. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents, rejoignez-nous pour nous présenter édition nouvelle ça, nous préparer pour vous. Donc, et pour week-end, et donc, qui ça nous gagne comme information, nous après rentrer direct dans le rapport RNDDH, qui c'est le réseau national qui défend les droits mondiaux dans le pays d'Haïti. Donc, d'après un rapport, il mettait de journée et samedi, donc, il fait qu'on ait un rapport qui gagne 28 pages, il fait qu'on ait au moins gagné deux gros autorités responsables dans la police, là, dans responsable sécurité présidentielle, là. Eh bien, qui ont même été connus, ils ont appris, eh bien, arrêté ou bien tué président, eh bien, qui livrait président, d'après ça, rapport lui-même lui fait connaître. Donc, rapport a dit, pour être capable d'atteindre l'objectif, et disons, intellectuel, assassinat Jovenel Moïse, donc, tu joins si pas au moins des responsables de sécurité, président Jovenel Moïse, qui c'est commissaire. Divisionnaire Jean Laguel civil avec, disons, Dimitri Hérard, qui lui-même c'est commandant en chef unité sécurité générale Palais National, d'après RNDDH, qui dit donc c'est un cas flagrant violation droit à la vie avec sécurité ancien défunt président Jovenel Moïse, donc qui fait pas yon cérémonie qui gagne autorité l'État nan men yo équité, donc gain responsabilité pour garantir sécurité président Jovenel Moïse, d'après rapport, et c'est eux-mêmes qui livrent, d'après rapport RNDDH, là, qui va poursuivre, vous le dit, gagner plaisir agents et spécialisés qui étaient affectés dans la sécurité présidentielle, là, qui étaient donc payés, donc qui étaient gagné l'argent dans main yo pour être capable de livrer président, donc pour être quitté barrière libre pour commando. Lui-même, lui est capable de passer à arrêter ou soit exécuter président Jovenel Moïse d'après rapport RNDDH là. D'après ça, il a dit, d'après ça, il a dit agent, c'est arrêter. Il a pas arrêter Jovenel Moïse, pas de question de tout. Donc, agent, lui-même, il a reconnaître, il a pas dit si tout, il a pas disons, comment doit tout président Jovenel Moïse. Cependant, donc c'est touye, yo t'a pral touye au lieu de arrêter, yo t'a pral arrêter le RNDDH. Cependant dit, ça pas été rien non gravité trahison soldat yo agent sécurité yo même yo fait côté yo livré président Jovenel Moïse. Rapport RNDDH là, rapport suivre donc pour dire côté li préciser gagné 600 47 agents qui affectés dans des unités spécialisées
qui gagne responsabilité pour y être déjoué tout complot qui t'a visé assassiner président Jovenel Moïse. Donc, yo pat déjoué complot, d'après RNDDH, qui déplorait le fait que service intelligence pays a, donc, qui gagne primati, par exemple, palais national, ministère intérieur à collectivité territoriale, DCPJ, direction Centrale la police judiciaire, police nationale d'Haïti, CSPN, ministère de la justice, pas déjoué complot ça qui rivait touyer président Jovenel Moïse. D'après rapport RNDDH, là, donc commandant divisionnaire Jean Laguel Civil, te gagné 100 000 dollars américains dans mail pour être capable de soudoyer agent sécurité chef l'État pour te quitter commando à passer entrer dans résidence président Jovenel Moïse là sans yo pas de fait résistance sans yo pas tiré yon pétard et c'est ça qui t'est fait. Rapport RNDDH là révélé tout nan moment commando a été attaqué kay président bon il est 30 comme ça nan matin jour 7 juillet 2021 Jovenel Moïse terele commissaire disons il était passé plusieurs appels côté il terele commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil li rele Dimitri Erard qui c'est commandant en chef USGPN Palais National li rele tout Léon Charles qui c'est DG directeur général AI Police Nationale d'Haïti donc tout gros responsable ça yo te promettre eh ben président eh ben yo pral voyer renfort rapide bali donc renfort ça yo même yo pas de jambe rivé jusqu'à ce que eh ben yo te assassiné président avec 12 balles dans divers côtés dans col d'après rapport donc qui était dressé par un juge de paix dans Pétionville. Donc inspecteur général André Jonas Vladimir Paraison donc c'est yon nan dernier moun président Jovenel Moïse te relé et donc les disons il te senti bral t'a prendre en moulin donc commandant et Jonas et ben Vladimir Paraison donc c'était premier monde qui était arrivé la caille président et qui t'a pral évacué donc madame président Jovenel Moïse Martine Moïse qui lui-même était blessé avec plusieurs balles dans poignetli d'après rapport RNDDH là dans page 20 rapport RNDDH publié il parlait de appel croisé avant pendant et après assassinat président Jovenel Moïse plusieurs téléphones ça yo qui t'a communiqué plusieurs autorités tant cour eh bien Christian Emmanuel Sanon juge Wendell Coctello Joseph Félix Badio docteur Ariel Henry premier ministre actuel là donc yo t'a communiqué ensemble d'après rapport RNDDH qui précisait plus loin jou soit ça yo assassiné président Jovenel Moïse la même Joseph Félix Badio t'est parlé dans téléphone avec un premier ministre nommé à l'époque là Ariel Henry qui lui-même vinn premier ministre pays à Kounia là et Ariel Henry lui-même il t'est parlé tout avec Jovenel Moïse dans même soirée yo assassiné là toujours d'après rapport RNDDH là Joseph Félix Badio. Donc monsieur t'est parlé et avec magistrat Wendell Coctello même jour soir ça toujours d'après rapport RNDDH là qui précisait et qui conclut pour le dire donc c'est responsable sécurité président Dimitri Erard USGPN avec commissaire divisionnaire Jean Laguel Civil donc qui lui-même livré président Jovenel Moïse à la boucherie. Donc c'est deux messieurs Sayo donc qui yo même trahi Jovenel Moïse d'après rapport RNDDH là donc qui recommandé pour ministère de la justice et sécurité publique t'a arrêté Félix Joseph Félix Badio donc qui gagnait en pile bagaille pour t'a dit sous question la mort disons assassinat Jovenel Moïse là. Toujours dans ça qui gen a ouais avec assassinat président Jovenel Moïse là gagné un gros journal américain qui relait New York Times qui publié un article journée samedi qui fait qu'on est
autorité antidrogue américaine eux-mêmes y a analysé, y a examiné pour ouais donc si assassinat Jovenel Moïse lui-même il t'a gagné un rapport avec trafic drogue dans pays d'Haïti. Toujours d'après bien journal New York Times, donc yon nan moun qui était en charge sécurité président Jovenel Moïse, c'est Dimitri Erard, chef USGPN nan palais national là. Donc c'était yon nan suspect nan yon important trafic drogue. Donc d'après journal New York Times, journaliste Maria Abi Habib, donc lui-même li publié nan colonne New York Time. L'autre information n'a pas rentré dans ça qui a oué avec tremblement de terre qui passait dans la date 14 et d'août passé à dans le Grand Sud là et qui mettait trois départements dans le Grand Sud là à genoux et Sud, Nip avec la Grandance côté qui est eh ben c'est ça l'oublier li pas fait, il mettait eh ben tout caille à terre dans trois départements ça yo dans le Grand Sud, disons dans le Grand Sud là. Donc gagné bilan partiel yo qui continue à tomber journée vendredi a gagné autorité protection civile yo qui fait connait gagné plus passé 2200 moun qui mouri bilan partiel toujours gagné plus passé 300 moun qui disparaît donc yo pas joine commune sa yo gagné 10000 plus passé 10000 blessés c'est nouveau bilan protection civile publié journée vendredi a non pour ça qui concernait question tremblement de terre qui passait dans trois départements Grand Sud yo, et donc Sud Nip avec la Grandance. Une semaine après tremblement de terre ça fin passé dans Grand Sud la population dans zone qui recule yo dans section communale yo et ben yo toujours a demandé secours relais secours dans l'état et bon côté l'état malgré autorité yo même yo annoncé gagner en pile aide qui déjà rivé dans Grand Sud la pour joindre population sinistrée yo. L'autre information gagné direction Food for the Poor lui-même nan yon communiqué limité d'yo il dénoncé pillage 4 camions aide humanitaire donc par yon série individu qui pas identifié nan zone Dichiti qui fait journée vendredi a donc camion convoi humanitaire ça il t'a parlé nan pour servir population qui sinistrée dans commune Beaumont dans Pestel dans Jérémy avec disons dans Jérémy Grandance avec Zilé Caïman d'après yon communiqué donc Food for Depot direction Food for Depot lui-même li publié toujours dans ça qui concernait et tremblement de terre qui passait dans Grand Sud là gagnait et toujours dans Jérémy gagnait 4e section communale la Tibolière et ben li à genoux d'après qui paroisse Notre-Dame Perpétuel Secours nan la Tibolière et Paix Octave Bellegarde donc li mandé communauté nationale ak internationale là pour capable intervenir pour voler à secours habitants sa yo qui aux abois donc après tremblement de terre 14 d'août la fin passé qui mettait eh ben toute caille qui était dans communauté ça plate à terre donc rel au secours communauté la Tibolière nan 4e section communale Jérémy. Toujours question tremblement de terre qui passait dans pays d'Haïti 14 d'août passé a gagné ministère éducation nationale ak formation professionnelle nan yon communiqué yon mete deyo fait konnen gagné plus passé 266 l'école publique qui endommagé et partiellement ou totalement ça veut dire gagné en pile nan yon qui crasé et gagné nan yon qui endommagé qui pas capable et même réparé donc ces résultats visite évaluation nouveau ministre éducation nationale la formation professionnelle là Marie Lucie Joseph te fait dans département de Sud Nip à Grandance sorti 14 pour 18 d'août passé à donc d'après communiqué ministère éducation nationale mettait dehors journée vendredi à. Donc pour nouvelle année scolaire 2021-2022, classe pral fête dans abri semi permanent dans 4 disons dans 3 départements Grand Sud d'après ministère éducation nationale.
L'autre information, Dr. Watkins Alexandre, kidnappé ou même été enlevé dans date 18 d'août passé à joindre libération après le fin payé rançon, kidnappé ou été mandé. Donc, c'est dans date 20 d'août. Là, vendredi 20 d'août, là, yo libéré le Dr. Watkins Alexandre fait partie équipe orthopédie avec traumatologie l'hôpital Bernard Meuse. Docteur Hervé Chéri lui-même, qui c'est gynécologue, eh bien, il était kidnappé, ravisseur était pris dans la même période là. Donc, il était toujours dans le ravisseur dans le moment où nous avons monté le programme si là. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campé avec édition spéciale si là. Nous remercions pour écouter avec attention. C'était Zami Fouet, mettez vous qui t'a servi. On a rendez-vous demain, même là, même chaîne. Si papa, bon Dieu content. À bientôt.